Un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni à portée de main. Alors que le Brexit doit avoir lieu le 29 mars prochain et que les risques d'une sortie sans accord se font de plus en plus grands, Michel Barnier redonne espoir aux partisans d'une sortie négociée. Invité à une conférence en Slovénie, le négociateur en chef de l'UE estime qu'un accord est possible dans des délais raisonnables. Je pense que si nous sommes réalistes, nous sommes capables de parvenir à un accord sur la première étape de ces négociations, à savoir le traité sur le Brexit, dans les 6 ou 8 semaines. Une échéance qui sonne aussi comme une dernière chance. Après un potentiel accord, il faudra encore que le Parlement et le Conseil européen, mais surtout la Chambre des communes britannique, ratifient le texte. Un processus durant lequel Theresa May n'aura pas le droit à l'erreur. Son rival au sein du parti conservateur, Boris Johnson, est en embuscade. Il agite la majorité Tory et mise sur un échec pour la remplacer au poste de Premier ministre.